Bon ben, bonjour tout le monde. Fait que me voilà pour un autre stream ce soir. Fait que ce soir, d'abord, je vais, comme, bien entendu, comme d'habitude, faire mes deux jeux. Et mon premier jeu, c'est un. Bien entendu, encore une fois, c'est mon jeu de découverte. Puis mon jeu de découverte d'aujourd'hui, c'est le jeu The Grandfather. The Grandfather, ça, c'est un jeu de. Qui est classé horreur, mais c'est supposé être sur un fait vécu. Donc, je suppose que c'est horreur à cause du style artsy, qui fait plusieurs, enfin, comme métaphores par rapport. À une vraie histoire. Fait que ça fait qu'en gros, en fait, c'est l'histoire d'un comme d'un vieux monsieur. D'un vieux monsieur, d'un fort comme qui. D'un vieux monsieur, d'un fort qui est comme horrifié, fait la faute de la froideur, d'un fort de sa femme. J'en sais pas vraiment plus que ça, puisque j'ai pas vraiment allé plus loin pour pas avoir. Fait que d'un fort qu'on peut pas avoir vu tout le jeu avant même d'y avoir joué, là. Étant donné que c'est un jeu qui semble être très court selon les critiques que j'ai vues. Donc, allons-y et commençons le jeu. The grandfather was a loving man, but he never felt as if he was loved. He only felt torment. He was a miserable man, a very miserable man. He hated what his life had become. What was the source of the grandfather's misery? His wife. His cold-hearted, miserable, emotionless wife. Oh. She had made his existence beyond miserable, killing his desire to do everything he had ever loved to do in life. Fait qu'en gros, enfin, cette histoire, en fait, de grand-père, en fait, dépressif à cause de. À cause de sa femme, là. Ou encore là. Ou encore peut-être, dans le fond, qu'est-ce qui se passe en fait, dans sa tête, qu'est-ce comme sa femme, mais arrêtez, c'est lui-même le problème, là. Dans le fond, c'est ça qu'on va savoir dans pas long. Oh. Le cordon de fonction ombilicale. Fait qu'en gros, c'est comme sa femme qui gère tout pour lui. Je vais me dire, la fois que je vais dire que c'est ça la fin de métaphore là. C'est un tunnel qui a un sens, ok. J'ai pas le choix de suivre ça. Puis je me donne une question pour le tunnel, c'est parce que celui-là, enfin, comme on va voir, enfin, ça a revu sa vie. Donc ça voudrait dire qu'il est mort. Ou à moins que ça, c'est l'intérieur du cordon. Fait d'avoir du cordon en fonction ombilicale. Une main. The grandfather found his right arm. He can hold a paintbrush to paint again. His only true love in life. Ah. Sa tête. Ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
comme un trou ici. Là. Fait que ça, la fois, il fallait que je tasse ça dans le but de voir le sac qui est là. Ok. Oh, qu'est-ce que j'ai pas vu? One night, just before bedtime, the grandfather went to give his wife a goodnight kiss. She ignored him as usual, giving him a cold shoulder. This broke his heart every single night. The grandfather went to sleep in his own bed, full of misery as he always did. But this night would turn out to be different than all of the others. Ah ouais? Cette soirée-là va être différente des autres. Malgré la froideur de sa femme. Dans le front, il y a de quoi? Okay. Fait que là, on va encore fouiller dans son cordon ombilical. Fait que c'est une autre partie de son corps qui va être décrite. Sa jambe. The grandfather found his left leg. He can go for evening walks again. Les marches. Et Misa. Brûler ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici?
marche pas. Non, ça marche pas ici. Ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Parce que là, quand je sais que je peux faire ça. Je ne comprends pas. Ah, ok, fallait jouer ça. Ok, ça je vois ça que c'est en feu, mais... Non. Je peux descendre. Il y a une chasse d'eau aussi. Ah, ok, fait qu'il faut la descendre la chasse d'eau, c'est ça? Je vais aller voir tout de suite là, c'est. Quelque chose d'autre que je peux fouiller. That all of his body parts were missing, even his lonely heart was absent, which he found to be strange because he still had a feeling of intense misery and pain. Oh, qui perd son corps.
Quand on va rentrer dans le cordon, faut qu'on soit ombilical encore une fois. Voyons voir ce qui se passe. Son cœur, ça? The grandfather found his chest. Ah, There is a hole son where his clef. heart once was. Qu'est-ce que je vois pas là? Ah oh! Escape through a window, but realized he couldn't open it without his hands. Once he realized that he was trapped, the grandfather resolved to search for his body parts. When his body was again whole, he hoped to attempt an escape. Fuck, corps et âme. Corps et âme, la fois qu'on s'est coincé dans la maison. C'est ça la métaphore, d'après ce que j'ai compris. Bon, let's go. On va voir ce qu'il y a de partie du corps qu'on va trouver. Ok, là c'est le cœur. The grandfather found his stomach. He will be sick all over again. Ça va défoncer l'estomac. Il faut y avoir le couteau.
as the grandfather explored his old creaky house, he became curious. He began to wonder if his wife had hacked him to pieces while he slept. Would she do such a thing? Why would she kill him if she enjoyed torturing him so much while he was still alive? Mm-hmm. Là, c'est sa femme. Mais voyons voir. The grandfather found his left arm. It will tingle the day he dies from a heart attack. Mm. Sa famille, madame. Oh, la carte zombie. Deuxième carte zombie. Troisième carte qui est tombée. La force, c'est sa famille qui l'abandonne. After finding all of his body parts, the grandfather knew there was only one thing left to do. To take his broken heart and confront his wife. He no longer cared if she had cut him up in his sleep, and suddenly he had a revelation. He knew the way out. The only way out. The only thing that would free him of his torment. Ok, encore là, c'est le feu à la maison.
grandfather recovered his heart, the most neglected piece of his soul. Son cœur. Grandfather found his broken heart. It was full of razor glass shards, rotten and swollen from years of loneliness. He brought his heart to the master bedroom, where he knew his wife would still be sleeping in her bed with nothing on her conscience. After all, she never truly loved him. The grandfather woke her up, holding his heart in his hand. She just looked at him with a familiar, emotional stare. He was ready to die. Ready to escape. He wanted her to witness his escape. The grandfather looked his wife in the eye, but not with hate, but with a look of happiness, a look that had not graced his face in decades. He squeezed his heart with all of his might in his fist, triggering a heart attack. Blood splattered all over the room, squirting all over his wife's face, all over the walls, all over his body. As the grandfather collapsed to the ground dying, he smiled the biggest smile he'd ever had in his life. He was finally free. Il s'est libéré de sa femme de même. La fin heureuse n'est pas si heureuse que ça, on s'entend. Hein? Mais. Libéré de ses tourments, mais en même temps. Pas de ses problèmes. Ah, ben, je pense que c'était ça ce jeu-là, ouais. Fait que c'était ça qui était ça pour ce premier jeu-là. C'était quand même bien. C'était court, par contre, mais c'était bien. Donc, c'est ça. Donc, je l'ai à dire, ce jeu-là, mais... C'est pas mal l'histoire classique des vieux couples. Tu sais, comme que... C'est que le temps, un des deux qui est comme tout le temps plus salopard que l'autre, là. Puis qu'en bout de ligne, comme les deux finissent par se haïr, mais ils restent quand même ensemble parce qu'ils sont... Parce qu'ils sont comme habitués de vivre ensemble, fait qu'en bout de ligne, c'est comme il y en a un qui est comme trop gentil, puis l'autre qui abuse de la relation. C'est tout le temps comme ça. Puis je pense que c'est la fois que c'est pas mal de ça que ça parle le jeu. Fait qu'en d'autres mots, c'est une forme de suicide pour pouvoir se libérer de sa conjointe, mais en même temps, t'es quand même emprisonné dans toi-même, fait que ça t'aide pas pour autant. Ouais. Fait que c'était ça qui était ça pour ce premier jeu-là. Donc, dans une quinzaine de minutes, on va finir avec Dog Gone Golfing, bien entendu, pour le prochain épisode. En fait, je que vous avez que je rendu, mais... Je suis pas loin du 15e, si c'est pas que je suis pas rendu au 15e. Fait que... À dans 15 minutes!